Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente le modèle phare de la marque américaine Esterbrook, à savoir le stylo plume Esti. C'est un stylo plume qui est fabriqué en résine, qui arbore des mosaïques de couleurs différentes, illustratives de la thématique qu'aura choisie la marque américaine. Et chaque Esti est disponible soit en format standard, comme les trois premiers stylos plumes à gauche, ou alors en format oversized à droite. Ce format est donc, présente donc une longueur plus longue et un diamètre plus large que l'Esti standard. Le diamètre fait 2 mm de plus et en général, ce format est préféré des hommes ou des personnes qui ont une grande main. Chaque Esti est également disponible soit avec des attributs et une plume plaquée or, soit avec des attributs et une plume plaquée palladium, c'est-à-dire que finalement chaque Esti est disponible dans 4 versions. Je vous présente le premier, qui est l'Esti Tortoise, qui veut dire tortue, et effectivement les couleurs choisies, le marron et le brun clair, voire le jaune, rappellent effectivement les écailles d'une tortue. Celui-ci est un Esti standard avec des attributs plaqués or. Le deuxième est l'Esti Sea Glass, dont la couleur dominante cette fois-ci sera le vert. Nous avons différents tons de vert ici. Et vous voyez que la couleur évolue en fonction de l'orientation du stylo plume à la lumière. Celui-ci a également des attributs plaqués or, donc vous avez l'agrafe, ainsi que les deux bagues ici sur le stylo plume. Et vous avez également, chose très importante parce que c'est un gage de qualité, le filetage de la section qui est en métal, donc plaqué or. Nous avons également une plume plaquée or et ici vous avez la fameuse plume Flex d'Esterbrook qui est leur plume flexible, qui vous permet de varier sur les épaisseurs de trait lors de l'écriture. Alors, passons ensuite au dernier modèle que je vous présente en format standard. Il s'agit du nouveau bleu, dont la couleur dominante est le bleu. Nous avons également différents tons de bleu avec du marron, ça et là. Regardez comme la couleur est superbe. Le stylo, la résine est vraiment ultra polie, ce qui lui donne toute cette brillance et cette luminosité, notamment à la lumière. Celui-ci a des attributs plaqués palladium, donc comme l'agrafe, ainsi que à nouveau les deux bagues et bien sûr le filetage de la section qui est également plaqué palladium. Et nous avons la plume également plaquée palladium ici. Là, nous avons une pointe M. C'est une plume qui est fabriquée par la société allemande Jowo, qui est un des plus grands fabricants de plumes au monde. C'est une plume de très grande qualité qui offre une glisse merveilleuse sur le papier. Alors, voici le modèle Honeycomb. Donc, vous voyez que son format est plus imposant. Il est plus long et plus large, comme je vous le disais. Les couleurs ici sont, je dirais, ambre et orange, plus ou moins lumineux en fonction de l'orientation de la lumière, des rayons du soleil qui frappent le stylo plume. Ici, nous avons des attributs plaqués or et regardez ce superbe filetage sur lequel va se visser le capuchon qui est également plaqué or, tout comme le filetage interne, c'est-à-dire de la section. Et la fameuse plume en plaqué or également. Alors, passons à l'Esti Scarlett. C'est également un oversized. La couleur dominante est le rouge avec des éclats de bleu ça et là. Et les attributs sont plaqués palladium, donc toujours l'agrafe et le magnifique filetage sur lequel vient se visser le capuchon. Alors encore une fois, cette Esti Scarlett par exemple, qui est ici oversized avec des attributs plaqués palladium, va exister en format standard avec des attributs plaqués palladium, mais également en format standard avec des attributs plaqués or et en format oversized avec des attributs plaqués or. Voilà, le dernier est l'Esti Maui, oversized également. Nous retrouvons ces trois couleurs typiques sur l'île de l'archipel. Et à nouveau, ici, nous retrouvons la plume plaquée or et le magnifique filetage.
Alors bien sûr, vous retrouvez toutes les caractéristiques techniques, notamment les dimensions sur notre site, puisqu'il est très important, avant de faire l'acquisition d'un stylo plume, de regarder la longueur du stylo plume quand le capuchon est permuté ou pas, ainsi que le diamètre, pour avoir vraiment afin que le maintien soit optimal dans la main et que vous écrivez, que l'écriture soit agréable. Et vous retrouvez également la description détaillée dans la fiche produit ainsi que l'avis de notre expert. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.